fraîchement installée président du conseil d'administration de l'hôpital d'Abbaye de Chihuahua. Donc, nous venons, comme vous l'avez constaté, de procéder à l'installation du conseil d'administration de l'hôpital d'Abbaye de Chihuahua. Moment solennel, moment très fort dans la vie d'une institution comme celle-là. Parce que l'hôpital a ses réalités. Et les médecins qui exercent doivent s'entourer d'une administration forte, capable de les accompagner à mener à bien leur mission. C'est la raison pour laquelle, avec l'arrivée de l'acte 3 de la décentralisation qui a consacré le département comme collectivité locale en remplacement de la région, le décret a statué pour que les départements prennent le conseil d'administration des hôpitaux du niveau 1. C'est ce qui a motivé notre présence aujourd'hui ici dans cet auguste hôpital qui porte le nom d'Addis Dabar à l'installation de son conseil d'administration composé entre autres de 12 membres. Parmi ces membres, nous avons la mairie de Chihuahua, parce que c'est le chef de ville, le maire, à son nom, à Lyon. Nous avons les membres qui siègent dans d'autres genres. Nous avons aussi quelques membres qui appartiennent déjà au conseil départemental. Et aujourd'hui, voilà, l'hôpital a retrouvé son statut officiel qui est le personnel, les aides-soignants, le personnel paramédical et médical, mais aussi son administration qui va contribuer à faire avancer les choses à la fois au niveau technique, matériel, financier et humain. Alors je me réjouis d'avoir porté ce lourd fardeau, mais à la fois flou, mais exaltant, pour appartient à nos missions régaliennes, hein, parce que la santé quand même est une des compétences transférées de notre département. Donc, nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir enfin notre conseil d'administration et de devoir maintenant se pencher aux nombreux défis qui nous attendent dans l'avenir. Vous le savez, jusqu'au moins le Gamou pointe le nez, a déjà pointé son nez, le Gamou, le Magal arrive, on a eu à le dire pendant le conseil que le Magal donc génère des actions qui impliquent forcément l'hôpital Abbaye de Dabar, qui est un grand hôpital hein, qui regorge de personnel. Il faut à la fois poser les grands défis, les relever, mais aussi essayer de cheminer vers un niveau beaucoup plus important qui, à coup sûr, donnera les moyens qu'il faut à l'hôpital pour que les espoirs qui naissent autour de cet hôpital, pour que les personnes qui veulent venir dans cet hôpital y trouvent les soins nécessaires et leurs attentes soient réglées. Nous remplacer les gens. Dieu notre ce conseil d'administration et installer la présidente du conseil départemental parce que le code général des collectivités locales, c'est le maire qui sera le président du conseil d'administration de l'hôpital numéro 2 et c'est la présidente du conseil départemental. Moi, on va rayer des hôpitaux de Tégui, l'Union Européenne, installez-vous devant M. le préfet. Après des personnes ressources, l'honorable député qui fait partie du conseil des administrateurs, M. Massamba Diagne pour la mairie, après le conseil départemental, Dr. Abdoulaye Gueye, la famille de Tégui, mon vice-président du conseil d'administration, oui, je vais féliciter au passage la compétence à Hawaï. Donc, oui, bisbouré. Il y a eu des gens qui ont été ministère des Finances, une équipe qui a été installée dans l'hôpital, il y a eu des gens qui ont été installés pour les hôpitaux. Il y a eu des gens qui ont été installés pour les hôpitaux. L'hôpital a niveau. Nous avons un projet d'établissement, un document qui nous permettre de l'hôpital de 4 milliards. Lolo, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que
avant ñuy joggé ci hôpital bi yaaka jidd na yalla bu ko yalla tass logi nak problème yi bari na mais problème bo gisé solution lay xaar yaakar na né ci fan yu néw ñu nan am buntu solution yalla nako yalla def may féliciter personnel bi di féliciter médecins di len balu ak ci choono yi ni dac mais médecin kenn du ko doon ci bëgg bëgg ci vocation yalla mo koy def donc ñen yoon ngeen di jaar ci fane safara yoon bi moy projet d'établissement melo ko yalla dogal le nane ñu jot ñu fexé ba budget bobu ñu yaakar muy 4 milliards yi ñu am lu ñu ci dugalal ci budget bi di ñew 2017 c'est fort possible di nane ci taxaw suñu kemta lay katam ndax hôpital bi limay faral di wax rek seen Abdou Aoul Amine yalla yalla yeesal yeen mané moko wax daw biñuy def CRD bi fele ci ministère de l'intérieur hôpital la bo xamni ni buñ ko jappé hôpital départemental hôpital régional national parce que nit day yakkar Alhadji Abdou Ard et ta bax rek ci barkem ni bu fajo ci hôpital buñ ko tuddé dina wër bu joggé ba kéddu ñoo di fa fajo lolo tax statut spécial bobu mo wara tax ñu tak suñuy sœur dem défendre ko fañ ko wara défété ñepp dinañ ko dégg donc yakkar judd la projet d'établissement dès lundi entrer en contact avec le ministre pour que mu duggal ko ci budget bi parce que ñom ñoo commandité étude bi lér na nañ fekk nañ ñu jël nañ suñu matukaay ba directeur bi commencé mu projet d'établissement di santat ñepp di gëremat membre du conseil départemental di gëremat wati waawon di gëremat journaliste di gëremat ñepp di santat yalla bu baax wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.